Tu pourrais nous montrer, mais très lentement, comment tu procèdes donc pour passer d'une cloche à une autre au niveau du claquement des sonneries. Voilà, donc on va, à cause des travaux, on va être obligé de changer de côté la sonnerie horaire. La sonnerie horaire sonne actuellement sur la cloche des trois consuls de 1664 qui se trouve sur le petit clocheton qui est sur le toit du clocher côté Italie. Ce clocher va être en travaux pendant plusieurs mois avec un échafaudage. Cette cloche là-haut va être déposée le temps de la restauration, donc on ne peut plus s'en servir durant les travaux. Donc on va basculer la sonnerie horaire qui se faisait à cet endroit sur une des trois cloches de l'autre côté, dans l'autre clocher qui est déjà restauré, où les travaux sont terminés. Donc on va simplement modifier la programmation de l'automate et lui dire que la sonnerie horaire se fera désormais sur la cloche 1 à la place de la cloche 4. Voilà. Alors, comment tu procèdes au niveau des boutons? Alors, il va falloir donc rentrer dans le menu programmation avec un appuyant sur la touche clé. Et là, on rentre dans le menu technique de l'automate. Donc, on valide quand on est là. Et on a accès à tous les paramétrages de sonnerie et de tout ce qu'on pourrait tout modifier. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la sonnerie. On valide. Ici, il nous propose les volets. Les volets, on ne change rien. L'éteintement, on ne change rien. La sonnerie horaire, on va changer. Donc on va dans la rubrique sonnerie horaire. On valide. Et là, il nous dit qu'actuellement, les heures sonnent sur le tintement 4 avec un rythme de 2,3 secondes entre chaque coup. À la place de 4, on va donc lui indiquer qu'on veut la cloche 1. On valide. Donc il a bien pris en compte l'heure sur le tintement 1, la cloche 1, avec toujours ça, on ne change rien au rythme. Il nous demande si on veut des répétitions. Oui, parce qu'il y en avait. Donc on conserve ce qu'il y avait. La répétition, eh bien, il faut la modifier de cloche aussi. Il ne faut plus qu'elle se fasse sur la 4, mais sur la 1. Donc on lui indique cloche 1. Il la prend bien en compte. Répétition tintement 1. Avec un rythme de 2,3 secondes aussi. La répétition se fait 2 minutes pile après la sonnerie horaire. Voilà, si on voulait plusieurs répétitions, on peut en mettre jusqu'à 4. Sur les quarts ou les demi, ben, l'automate peut prévoir de sonner aussi les quarts d'heure. Donc nous, on est sur une demi ici à la collégiale en temps ordinaire. On a eu fait sonner les quarts à certaines occasions. Là, on est dans un temps, on va dire, ordinaire en plus de travaux. Donc on va juste garder la demi comme il y avait jusqu'à ces jours-ci. Donc on a une demi effectivement, avec un rythme, mais là il n'y a qu'un coup à la demi, donc le rythme on s'en fiche. Et ça se faisait un coup sur la cloche 4. Donc là aussi on modifie et on va indiquer qu'on le veut sur la cloche 1. On valide. Est-ce qu'on veut des avant-quarts? Des avant-quarts, il n'y en a jamais eu ici, donc il n'est pas question d'en mettre. On laisse non. On valide. Et là, il nous demande si on veut faire un test de la sonnerie horaire. Donc, on ira l'écouter dehors. On ne va pas faire de test intempestif pour casser les oreilles aux gens par plaisir. Donc là, on peut sortir de ce menu complètement, plusieurs fois, jusqu'à revenir à l'écran d'accueil. Parfait, jeune homme. La modification est faite. Les sonneries horaires se feront désormais sur la cloche 1 au lieu de la 4. Le temps des travaux et on remettra tout ça normal après les travaux. Très bien. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot.